Radio Néo et le Nouveau Sentier des Halles s'associent tous les 3e mercredis du mois pour vous présenter nos plus belles découvertes. Retrouvez les néo-découvertes du LSDH le mercredi 20 octobre à 19h45 au Sentier des Halles avec Alex et sa guitare. Je vais tous les dimanches à la chasse, mais rien à faire, je perds pas ma place. Du con. Et Guédré. Vous regardez Secret Story, votre conjoint pète au lit. Vous êtes fan de Justin Bieber, quand il vous voit, vos enfants pleurent. Venez oublier vos problèmes en chantant ceux des autres, vous verrez qu'ils sont encore pires que les vôtres. Venez le 20 octobre au Sentier des Halles, si ça vous fait pas de bien, ça peut pas vous faire de mal. 9e édition des Néo-Découvertes du LSDH, le mercredi 20 octobre à 19h45 au Sentier des Halles, 50 rue d'Aboukir à Paris 2e. Prévente Fnac et Fnac.com, 11,80€ sur place, 14€. Toutes les infos sur radionéo.org ou lesentiersdeshalles.fr. Néo. Bonjour, vous êtes ? Je suis... Il m'a cassé, je deviens rouge. Je suis stressé. Tu vois ? Ça se voit pas ? Ouais, c'est parce que je ne le suis pas. Et vous connaissez l'artiste là qui va jouer là ? Ou bien ? J'ai regardé un petit peu sur internet. Sympa. Vous pouvez nous en parler ? Bah, ça a l'air vraiment bien rigolo. C'est vrai ? Gros contraste entre son côté ange idyllique et ses paroles, donc ça a l'air bien marrant. Ange idyllique, donc il n'y a pas le côté démon ? Non. Dans les paroles. J'ai entendu parler d'effets pyrotechniques quand même. Ah oui, non, ça c'est sur moi ça. Ouais. Ah oui, il y a des effets pyrotechniques, des tours de magie, des bonbons comme tu l'as vu, de la bière. C'est la grande folie, hein. c'est la mise en scène. Et comment on se sent à 2 minutes, 10 minutes avant Bon, ça va, je me sens bien. Allez, je te laisse tranquille. Donc pas en direct, hein, c'est que enregistré sur Pro Tools Compagnie. C'est ça. Je vous présente Muriel. Isabelle. Bien sûr, Isabelle. Mais tu sais, on a l'impression de t'avoir toujours vu ici, hein. C'est vrai ? Ouais, je te jure. En te regardant comme ça, je me dis, mais ça serait pas plutôt Alex du Sentier plutôt que Alex et sa guitare ? On va y aller. Pourquoi ? Parce que c'est l'heure. Il est 21h04. Ah, ça, c'est une grosse pub pour un téléphone, ça, non ? Non. Non ? T'es tendu du gland ou pas ? Dans une interview, il faut toujours reprendre les questions. Tendu du gland ? Non, pas du tout. C'est bon, je peux aller travailler. Hein ? Ciao. J'en serai un petit détail technique à gérer. Ah. Au niveau du passé, pardon. Ça va, laisse-nous tranquille. Mais c'est Simone. Je déteste ce que tu es en train de faire là. Dis donc, je vous présente Guilu. Version 2010. La falamanine pour l'instant, mais... La chorégraphe. D'accord, oui. J'ai le droit. C'est Mia Frey. Je t'envoie. C'est Mia Frey. Mia Frey. Mia Frey, plutôt. Alors lui, c'est lui qui sème le doute. Ouais, tu sèmes le doute, toi. Je sème le doute. Et on m'a demandé de dire un truc. Ouais. C'est dis quoi l'hésite. Oh, putain. Voilà. Qui c'est qui t'a pris un truc comme ça? C'est mon ami, comment ça? Bonsoir, messieurs. Bonsoir, mesdames. Je vous vois pas bien. Ah, bah, alors on va vous expliquer, vous êtes là, parce qu'une fois par mois, Radio Néo, qui est une radio absolument merveilleuse que je vous encourage à écouter, qui émet sur le 95.2 pour nos amis parisiens, qui émet aussi à Bourges et à Toulouse et sur le www.radionéo.org, a donc trouvé le Sentier des Halles, endroit de prédilection dans lequel vous êtes là. Là, vous avez le guide là, qui vous montre un petit peu comme ça l'architecture, qui est donc une scène qui permet aux artistes d'émerger. Et Radio Néo étant une radio mettant en avant les nouveaux talents, il était un petit peu normal que ces deux médias et supports se rencontrent. Donc une fois par mois, nous mettons en avant des artistes. Ce soir, il y a deux personnes que vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir. La deuxième est une jeune femme qui s'appelle Guédré. Et le premier artiste que vous allez pouvoir entendre dans quelques instants est un jeune homme qui s'appelle Alex et qui est avec sa guitare. Elle adore, Simone, elle adore faire ça. Enfin, qui prend goût. C'est super de voir des gens qui ont envie de découvrir des nouveaux artistes. On a besoin de ça, ils ont besoin de vous.
Ce sentier est aussi fait pour ça. On a souhaité avec Radio Néo pouvoir vous faire découvrir des artistes qui sont aussi à l'antenne de Radio Néo. Ça fait maintenant la neuvième édition. On va continuer sur l'année prochaine. On sent qu'il y a des jeunes pousses, qu'il y a des choses qui se passent, qu'il y a de plus en plus de gens des maisons de disques qui viennent un petit peu sentir et faire leur marché. C'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qui nous plaît, ce qui nous va. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je suis ravi. Ce qui serait mon rêve, et je pense que c'est déjà arrivé et ça va encore arriver, c'est que un ou les deux artistes de ce soir viennent faire une première partie à l'Olympia, et plus si affinité, ce serait vraiment pour moi un grand plaisir. Donc là, on va vous laisser avec Alex et sa guitare, et ensuite vous allez découvrir Guédrec, découvrir ou redécouvrir cette délicate petite chose qui va vous interpréter quelques complaintes avec sa petite guitare. Mais on vous laisse pour l'instant avec Alex et sa guitare. Merci. Elle adore ça. Simone, elle est au taquet. Simone, pas mal, pas mal, Simone. Moi, j'ai décidé qu'il fallait arrêter de m'emmerder en 2010. D'accord? Donc, à bon entendeur, salut. Salut, j'ai dit. Salut. Maggie. À moi, Alex. On va faire une mise en scène ensemble, hein, la bonne franquette. Il me faudrait un beau gosse pour ça. Quelqu'un qui paraisse bien sur scène à côté de moi. D'accord, il n'y a que des moches ce soir. C'est pas grave, on va faire avec. Hein. Stéphane. Vas-y, redis-moi ça. Stéphane, tu as un accent. Ça fait beau gosse, ça. Mais t'inquiète pas, tu vas pas être tout seul. Il me faudrait aussi deux hommes costauds, deux hommes très forts. Ok. Alors, donc Stéphane, tu vas monter sur ce tabouret. Il n'y a pas beaucoup de hauteur, mais bon. Donc toi, tu es le beau gosse, tu te la racontes à mort. Ça va, tu... Ouais, c'est bon. Ok. Et voilà, et moi je suis le moche dans l'histoire. Alors je sais que c'est pas crédible une seule seconde. Votre rôle, ça va être de me retenir de lui péter la gueule. Donc venez derrière moi, vous me prenez chacun par une épaule. Voilà, et donc vous y allez. Voilà, ils sont à fond là. Donc ça s'appelle Les Petits Monstres. Stéphane, c'est ton moment. Donc vas-y, fais-toi plaisir, tu peux te la raconter à mort. Tu te dandis. Voilà, on l'encourage un petit peu s'il vous plaît. J'aimerais faire mon beau gosse, torse poil comme Stéphane. Mais quand je vois plus sa bosse, alors j'entonne. J'ai bien besoin d'être un petit monstre, échappé d'un zoo d'une fois. Pour ma tête n'a pas enflé, rester plus petit qu'une poire. Plus petit qu'une poire. Avec moi. Là pour vous dire n'importe quoi, mais simplement pour vous expliquer que c'est donc la 9e édition des Néo-Découvertes des Centres du Sentier des Halles, ce qui signifie qu'il y en aura une 10e, et que le mois prochain nous serons là avec vous dans une soirée pour une autre ambiance, puisque nous accueillerons le groupe S'il vous plaît, qui est un groupe de rock électro qui est plutôt pas mal, et un groupe d'origine suisse qui s'appelle The Rambling Wheels. Donc rendez-vous 3e mercredi du mois de novembre, même heure, même endroit, avec votre enthousiasme qui est vraiment débordant. Maintenant que vous êtes échauffés, vous allez pouvoir commencer à applaudir un petit peu, puisque la charmante jeune fille qui arrive maintenant pour clôturer cette soirée vient donc de très loin, comme je viens de vous l'expliquer, est en train de préparer un album qu'elle devrait vous offrir pour le courant de l'année 2011. Elle a déjà des petites ritournelles d'amour, comme ça, un petit peu particulières, que vous pouvez aller écouter sur internet,
Et si vous arrivez à retenir et à prononcer son prénom, vous pourrez peut-être même crier à la fin de son concert, puisqu'elle s'appelle Guédré, et vous pouvez l'applaudir tout de suite et maintenant, s'il vous plaît. Je vais juste essayer de brancher ma guitare. Ah oui. Mais je suis une professionnelle. Ça va? Ouais. Vous ne dormez pas? Non. Bon, je vais faire, même si c'est un peu tard, je vais quand même faire une chanson pour les enfants. Parce que peut-être qu'il y en a qui ne sont pas encore couchés. Alors, je vais les endormir. Sans chercher si loin, en Belgique, il